علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبي وقدوتي، حبيبي وقدوتي، حبيبي وقدوتي، حبيبي وقدوتي. Amine, te voilà mon fils. Veux-tu m'apporter le sucre pour préparer un délicieux gâteau? Tu ne vois pas que je suis en train de jouer? Va demander à Sarah. Sois gentille et va m'acheter le sucre. Si je t'achète le sucre, qu'est-ce que je vais gagner? Rien que la fatigue. Amine, s'il te plaît, mon frère, je sois. Peux-tu me donner un verre d'eau? Tu as tes pieds, va le chercher toute seule. Oh, Amine, te voilà, mon fils. Tu peux m'aider à arroser les plantes? Non, papa, c'est fatigant. Et moi, je suis encore petit. Que mes parents m'ont donné un cadeau parce que je suis sage et serviable. Serviable? Pourquoi servir les autres? Et ils ont leurs propres mains et pieds. Ce ne sont pas les autres, ce sont nos parents. Et ils sont plus forts que nous. Seulement ferme tes yeux et imagine ta vie sans tes parents. Qui lave tes vêtements, qui veille sur ta santé, qui te prépare de quoi manger, qui travaille le jour et la nuit pour t'assurer une vie honorable. Sans oublier que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Raghima anfu rajulin balagha walidahu indahu al-kibara ou ahaduhuma falam yudkhilahu al-janna. » Oh mon Dieu, pardonne-moi et guide-moi au bon chemin. Maman, papa, pardonnez-moi, ma vie sans vous n'a pas couleur. Je vous promets d'être obéissant pour toute ma vie. Que Dieu te bénisse, mon fils.